Django Francis versus Dams. Let's go, messieurs. Alors, Dams, tu es un nouvel arrivant. C'est ça. Je te propose de choisir pile ou face. Pile, allez. C'est pile. Tu choisis. Django, vas-y. Il a choisi de laisser débuter Django Francis. Premier round, Live Contender, 5e édition. Django Francis, c'est à toi. Ok. J'ai voulu faire les choses bien et mater tes battles avant notre clash. Mais t'es inconnu au bataillon comme un soldat qui s'arrache. J'ai cherché partout sur la toile, même sur des sites louches qui embarrassent. Tout porte à croire que même Google de toi s'en bat la race. C'est tant mieux car t'as pas un très beau visage. Heureusement qu'il n'y a pas de public pour voir cette crasse. Sale comme ta meuf qui renifle les toilettes publiques avant de tirer la chasse. T'as une gueule de jeune flic. Crois pas que je flippe de battle une réplique de chômeur sans masque. Mon foutre, c'est de la moutarde. Je te fais l'amour avec des capotes crades. T'es pas un rappeur, toi, on t'entendra jamais sur les ondes. Je mets des coups de doigt dans ta sœur jusqu'à en avoir du caca sous les ongles. T'as un god dans le cul et c'est la raison pour laquelle tu restes assis. Je vais te rentrer mon sexe veineux gros comme une bouteille d'oasis. Je vais tellement t'enculer fort, je vais y laisser ma peau comme si j'avais du psoriasis. T'es trop jeune, je peux pas te faire des blagues de mère, mais de grand-mère, je mets mon sexe sur la langue comme de l'ecstasy. Elle s'est fait déglinguer par des boches, t'es pour moi le descendant d'un ex-nazi. Je suis vraiment très mou ce soir. Ça, c'est ce que ton ex a dit. Comment veux-tu lutter contre moi avec tes textes moisis? Je vais me déchaîner sur ton corps de lâche, maigre, de sidatique. À l'époque, ta grand-mère écartait tellement les cuisses qu'elle en a encore de l'acide lactique. Avant ce battle, tu m'as pompé l'appareil comme un asthmatique. C'est malaisant ce que je vais te dire, mais je vais t'inspirer pour ton asthmastique. On va passer la nuit ensemble. Et je te chanterai que t'es la meilleure, comme si t'étais l'eau de tasse d'Attique. Pas de chance pour toi. Ce soir, t'affrontes le Django sale, sadique. Ta mère dans mon équipe et on se la passe à 10. Grâce aux 6. Mélange italien-marseillais, je la remplis de pâte pastis. Sa grosse chatte pollue ma rue comme un sac plastique. Je rentre une valise dans le cul, ça c'est un diagnostic. Tu vas finir en fauteuil tellement je te tords le coït. T'aurais mieux fait de faire comme PH, lécher des bites sales et attraper le Covid. Ce soir, je donne tout ce que j'ai dans le bide jusqu'en avoir le corps vide. Time. Premier round. Dams, c'est à toi, let's go. On m'entend bien, c'est bon? On t'entend super bien, frérot. Ok. Tu penses me bodybag, mais quel toupet, t'es grave malade. Moi, je dis que si t'es toujours là dans un couplet, c'est déjà pas mal. Tu représentes les Bouches-du-Rhône, hein, Marseille. Toi, tu crains des gangs. Tu vas repartir aussi vite que t'es venu. LC1, Live Contenders 1, l'occasion de ta vie. À presque 40 piges, franchement, c'était pas trop tôt. Mais arrivé au jour J, tu t'échappes plus vite que Carlos Ghosn. T'es un échappé. Finir un battle pour toi, c'est la consécration couze. Django Scofield, dans le dos, t'as pas le choix de quitter la conversation Zoom. Pour la deuxième édition, t'étais pas là, absent comme les punchlines de Nesto. Tu noyais ta dépression dans un pichet de vin. Mais t'es revenu pour la troisième, tu t'es pris 2-0. On a encore les bleus, on t'appelle billet de vin. 20, c'est l'âge auquel j'écris ce battle. Contre ce Gus qui en a 13 de plus. 13, c'est l'âge de ton ancien adversaire. Y'a vraiment pas de quoi en être fier, je te jure. Ta seule victoire, c'est contre un gosse. Waouh, vraiment, j'affronte une pointure, c'est le feu. Le pire, c'est que t'as pas gagné parce que t'étais le meilleur. T'as juste été le moins nul des deux. Maintenant, on en est là. Life Contenders 5. Tu penses en sortir vainqueur? Dingue. Il attendait ce battle pour mettre les choses à plat. Mais ce vieux bougre repart froissé. Il y a SP ouais, sur la carte. Mais c'est toi le clown de la soirée. Faites du bruit, messieurs dames. Ouais. Vraiment. Vraiment, c'est mauvais. Toi et tes textes, vous êtes sans vie, banal. Bon, qu'à vous faire tirer les cheveux, Django Francis, Lalanne. Les blagues sur le nom de son adversaire. Tu penses que c'est ta force, mais c'est ta corde sensible. Parce que si je viens sur ton terrain, c'est moi qui gagne au change. Django Francis. Si je t'attrape, je t'attache et tu disparais dans un trafic de l'Est. L'occasion qu'on revoie ton nom sur une affiche serait sur un avis de recherche. Django sans suite. Time. Oh, Django Francis, deuxième round, c'est à toi, let's go. Ok gros, c'est bien ta phase là sur mon LC1. Mais tu sais que je bouffais encore la chatte à ta mère au moment que tu lui t'étais encore les seins. Et gros, tu m'emmerdes avec tes couplets qui m'endorment. Je t'enforme au gommette, puis je te chouffe depuis un mirador. Se prendre des cartouches dans le boule, ça c'est ce que ta mère adore. On n'est pas du même milieu, pour toi la cuillère est d'argent quand moi ma ligne demi-rée d'or. Quand tu rappes, on dirait que t'as un balai dans le cul ou que tu fais du vélo sans selle. T'es inutile comme un épisode de Dragon Ball sans selle. Tu parles trop, contre moi tu vas t'écraser comme une piste sans aile. J'ai vu ta meuf, franchement, elle a l'air constipée comme un cul sans selle. Elle est fat, t'as aucun goût, t'es comme une frite sans selle.
Ce face à face, c'est pour toi le sommet, c'est battle que tu cours, tease. Un mois de préparation, tu te noies dans l'alcool, tu cours, tease. L'issue sera ta débâcle, et si c'est pas la cour des miracles, maintenant place au bon vieux tac, t'as un accident sans habitacle. T'arrives dans ma basse-cour, t'es venu sans habit classe, à contre-cours, en sur-parcours, je vais te bifler tellement fort qu'on va t'appeler l'essuie-glace. Hey, je recherche de véritables MC, pas un fan de Cordula. T'as 20 ans, t'as de l'acné, t'as le corps d'une victime d'Ebola. Je suis un ancien, moi. J'ai rencontré ta mère sur 3615. Depuis, je lui fais porter la burqa, la vérité, la voilà. Je lui susurre des mots indécents dans le lobe de ses oreilles que je lui mordis les tétons. Moi, c'est comme ça que je traque Hula. Non, mais sérieux, t'as vu ta gueule? T'es bi et boutonneux. Fils, tu déconnes, c'est quoi? Tu perces tes boutons? Puis tu les gobes, je mets perpète à ta meuf, c'est ce que le juge m'en dit. Dans son cul, ça sent la jungle, il y a un poney mort, c'est Jumanji. Ça sent la savane dans ton salon, rien que l'odeur t'évanouit. Et c'est seulement quand je lui rentre ma queue des talons que ta jument jouit. Mais comment as-tu pu passer de Damien à Dams? Écoute la leçon, ce soir je te mets les points sur les i jusqu'à ce que tu clames. Dans ce battle, j'ai craché sur tes parents, et ouais, moi c'est comme ça que je traite la famille Adams. Regarde, je continue. J'ai plus besoin de baiser ta meuf que de perdre Yams. En fait, c'est l'inverse. Je te mets les i sur mon point, comme ça tu vas pouvoir t'appeler Diams. Time. Yo! 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 Yo, man! Let's go! Comment? Oui, let's go, man! Mais pourquoi tu portes des lunettes de soleil abruti, lobotomisé de naissance? Faut demander de l'aide si t'arrives pas à baisser la luminosité de l'écran. Oh mais Django, il met des lunettes pour pas qu'on le reconnaisse dans la rue. Mais personne sait qui t'es, arrête de faire dans l'abus. T'es content quand on t'appelle par ton prénom qu'à la posture. Tes gosses vont à l'école à pied depuis que tu leur as dit de pas monter dans la voiture d'un inconnu. Dès l'enfance, t'aurais dû comprendre que tu... Dès l'enfance, t'aurais dû comprendre que tu signerais jamais d'autographe. Depuis que ta propre mère a jamais été capable de te retrouver sur les photos de classe. T'es comme Fillon qui rend l'argent, un crocodile qui passe le permis ou une truite qui se noie. Ton second couplet au LC1 ou le régime de K5, tu n'existes pas. Tu rêves d'être connu comme personne alors que personne te connaît, que Dieu pardonne ta grande bêtise. Tu veux pas qu'on te reconnaisse dans la rue? Faudrait déjà que ton père te reconnaisse à la mairie. En revenir à tes lunettes, ça me dérange, ça me démange, oui, parce que je peux pas lire la peur dans tes yeux. Par contre, je peux lire tes deux couplets dans tes lunettes horribles. Un couplet qu'on a cancéreux, tout le monde l'a vu que t'étais sur Open Office. Depuis le début, tu lis ton texte. Tu pensais qu'on allait pas te cramer. Mais quelle idée grossière, je suis un dragon sanguinaire. Quand on t'a dit de t'inspirer de Wojtek, on parlait pas de son anti-sèche. Et puis tu triches pour nous raconter de la merde. Pour toi, c'est mort ce soir, y a plus d'espoir. Je peux lire le syndrome de la page blanche sur tes lunettes noires. T'as beau cacher ton visage, on voit tous d'ici que t'es vert de trouille. Contraint de porter une paire de lunettes à défaut d'avoir une paire de trouilles. Ceci dit, j'ai du respect pour mes victimes. Alors fais-moi ce plaisir et enlève-les tes grosses merdes. Pour qu'une fois que t'es rendu l'âme, je puisse te fermer les paupières. Time. Les gens dans le chat, je vais vous mettre le lien pour aller voter dans le sondage. J'ai fou battle, fou baro, fou baro. Damn. Qui va gagner ce battle? Qui veut juger ce battle? Je veux bien juger en premier. Je t'en prie, King Kabeli, let's go. Donc, ben déjà, Fou Battle, là, il n'y a pas à dire, les deux sont venus très chauds. Alors, au début, premier round de Django Francis, je trouvais qu'il était moins bon, genre, je trouvais moins bon qu'il avait, un moins bon round qu'il avait sorti contre Chômeur. Donc, j'étais un peu déçu, mais là, on a eu, mais au deuxième round de Django, là, on a eu des punchs dévastatrice. Puis on a eu Dams qui au premier round était très très bon et au deuxième là il a mis la barre très très haute. Donc je dirais Dams juste parce que le premier round de Django je l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé en dessous de tous les rounds. Mais franchement, fou battle, fou ballon. Fou ballo. Merci. Donc, tu donnes, pardon, excuse-moi. Je donne Dams. Dams, ok, c'est parti. 1-0 pour Dams. À qui le tour? Moi. Je t'en prie, let's go. Alors, franchement, déjà. Bonjour, madame. Bah, écoute, moi, je suis poli. Faux.
Voilà. Il m'a posé, Madou, putain. Bah, c'est petit, madame. Bref. Franchement. T'étais pas prêt, hein? Non, pas du tout. Elle est passée dans le plus grand des calmes. Oh, tiens, une vidéo. Bon. C'est quoi là-dedans, hein? Incroyable. Vas-y, continue, frérot, pardon. Non, non, c'est pas de soucis. J'ai pas tout suivi, mais bon, c'est pas grave. Déjà, big up aux deux. Ça s'est passé à son insu, quoi. D'accord. Non, t'es pas là. Normalement, t'es pas là en direct devant 64 personnes. Non, on est 500, merde. On était que 400 tout à l'heure. Blague à part. Blague à part. Vas-y. Elle fête son anniversaire. Ah, joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, maman de boule terrier. Joyeux anniversaire. Oh, c'est bête, et voilà. Plus là, en plus, bon. En gros, ils t'ont souhaité ton anniversaire, mais tu l'entendras tout à l'heure parce que c'est en différent entre YouTube et ce que j'entends. Bref, tout ça pour dire. Déjà, big up aux deux. Django, t'as une énergie de fou. Dams, t'as une énergie de fou. À ce niveau-là, moi, franchement, égalité. Au niveau... On va parler concrètement, je donne Dams. Mais ça se joue à rien. Ça se joue avec sur les cheveux qu'il y a sur le côté. Ça, Allez, tiens. Ouais, voilà, exactement. Ça se joue à rien du tout. Big up, franchement, vous avez une énergie. Je vais peut-être dire peut-être une chose. Moi, il y a eu un moment, et tout, sans déconner, où en effet, et tout, et j'ai eu l'impression que tu as fait un flip au milieu de ton deuxième couplet, Dams. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression d'entendre du côté de Django Francis, j'ai eu l'impression, un ch'tipouille, d'avoir entendu du Wojtek. Et toi, sur ton deuxième couplet, tu fais quitte bam bam bam, Wojtek. Et là, j'ai fait, oh l'enculé. Oh, il m'a non, eu. Non, c'était pas un flip, mais quand je l'ai entendu, je me suis dit, ça a passé, quoi. Bah, clairement, ouais. En tout cas, moi, j'ai été impacté par ça. Mais en même temps, j'ai été impacté par vous deux. Il y a eu plein de. Ouais, franchement, au niveau. Bah, tout à l'heure, je parlais des angles d'attaque de PH et Schizo. Là, franchement, vous m'avez régalé. Au niveau des patterns, honnêtement, j'ai été très sensible à ce qu'a fait Django Francis et tout, au niveau de tout ce qui est pattern. Mais en revanche, et tout, sur tout l'ensemble du match, Dams, je te le donne. Mais vraiment. Ok, donc vous deux, vous êtes bons. Tu votes Dams. Ouais. Merci beaucoup, Boule Terrier. Next, juge. Ouais, du coup, moi je le donne à Dams sur les deux rounds. J'ai trouvé ça incroyable. Vraiment lourd. Vraiment très très lourd. Okay. J'ai noté tellement de trucs, il y avait beaucoup beaucoup de contenu. J'ai aussi adoré ce qu'a fait Django. Hein. C'était égal à lui-même, enfin à son dernier LC. Mais Dams, c'était vraiment au-dessus. J'ai trouvé que c'était plus impactant. Plus de flow, même si tu étais un petit peu linéaire sur ton delivery. J'ai adoré tout ce que tu as fait. Franchement, il y a trop de trucs à dire. Les anti-sèches, le truc sur Wojtek qui est tombé parfaitement avec ce qu'a dit Django, Carlos Ghosn, Django Schofield, enfin, le paire de lunettes, la paire de couilles, enfin, trop de trucs. Pour moi, ça te va, 2-0. Et voilà, big up, en espérant te revoir au LC, cousin. Voilà. Merci beaucoup, MC Rodka. Next, juge. Tu vas enchaîner, Madou. Ouais. Alors, je vais d'abord parler à Django Francis. Ce que j'ai kiffé vraiment, bah, au départ, le seul truc que j'avais noté, c'est sale. Tu vois, ça, c'était clair. Il y avait pas mal de multi. La famille Adam, j'ai kiffé. Le coup de l'acide lactique, l'essuie-glace, le 36-15, Jumanji, j'ai kiffé. Vraiment, c'était bon. Je pense que tu aurais pu gagner contre beaucoup, mais là, Madou, je pense que tu es tombé sur une pépite. Sincèrement, Dams. Incroyable. Dams. Très sincèrement, merci. Pour je moi, m'attendais pas à ça, il est bon, merci. Il est bon pour la scène. Là. Ouais, je pense que c'est lui qui nous est tombé dessus, hein, clairement. Tu vois, on trouve jamais personne. Hein, c'est les gens qui nous trouvent et clairement, il nous a trouvé, il s'est trouvé et ouais, ça va être sympa. Bon, t'as tout ce qu'il faut. Sincèrement, Dame, c'est t'as le delivery, t'as les punch, t'as la luminosité d'écran, il m'a mis par terre, le truc des lunettes. La page blanche dans les lunettes noires, elle m'a mis par terre. Ouais, incroyable. Le franc suisse, par terre, pareil. Franchement, ouais, il y en a énorme. Le coup de l'inconnu,
qu'ils osent même pas rentrer dans ta caisse tes propres enfants parce que... Ah ouais, oh là là, tu leur as dit de pas monter dans la caisse des inconnus. À fond. Ah, incroyable. Sans compter le père qui va pas reconnaître à la mairie. Enfin, oh, très sincèrement, il y en a eu tellement. Et ouais, bien sur scène, mon pote. Bien sur scène. Madou, franchement, t'as une pépite, là. C'est, ouais, voilà. Sans manque de respect à qui que ce soit, hein, mais voilà, je pense que c'est le... Ah mais écoute, on est là pour ça, de toute façon, quand nous on battle l'ORC, c'est pareil, hein. Oui, oui. C'est le syndrome de l'OVNI, là, Dams, pour moi, aujourd'hui, là. Il est arrivé, paf, on savait pas qui c'était, ben on n'oubliera pas qui c'est, tu vois. Enter, vas-y. Bon, allez, comme disaient les autres juges, full battle. Là, c'est très, très dur à départager. Et j'aimerais faire un petit rappel, simplement, c'est que, enfin, ça s'est senti, vu les phases de chacun, c'est que Dams, lui, vient d'arriver. Django, lui, a un passif déjà au LC, donc je pense que c'était un petit peu plus facile pour Dams d'avoir des angles que Django, qui, lui, ne connaissait pas vraiment son adversaire. Mais qui, du coup, a su quand même donner une très bonne prestation. Et en vue de cela, je le donne quand même à Django, mais vraiment de très peu, parce que Dams est vraiment très bon sur tous les points de vue. Mais c'était vraiment... au final, je le donne à Django parce qu'il a eu un certain handicap. Et c'est tout. Voilà. Ok. Riwan, vas-y, je t'en prie. Bon, je vais essayer de ne pas trop répéter ce qu'a dit... ce qu'ont dit les juges, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Hunter dans le sens où Django, c'était un exercice assez difficile de battle quelqu'un qui est complètement inconnu, qui n'a jamais battle nulle part. Et je trouve que tu as réussi à faire une bonne prestation dans l'ensemble. C'est juste un peu dommage, j'ai trouvé ton premier round, mais tu mets un peu du temps à démarrer. C'est un bon round, mais au niveau de l'énergie, Dams y rentre beaucoup plus fort que toi dans ce battle. Bon, il a quelques petites hésitations sur son premier round, mais c'est largement rattrapé par le contenu, genre la phase sur SPY, mais c'est toi le clown de la soirée, moi j'ai adoré. Il y a vraiment énormément de contenu dans ce qu'a apporté Dams, et je l'ai même senti un peu au-dessus en termes d'énergie, donc je vais la donner à Dams aussi. Aïe aïe aïe, le chat quant à lui a donné 89% des voix à Dams. Nous sommes donc sur une victoire de Dams, je pense. Que malgré le step-up de Django Francis, il est tombé sur, comme l'a dit Parano, l'ovni de la soirée pour le moment en tout cas. Et bon, ça reste un fou battle quand même. Je pense qu'on a bien, on a tous pris un bon moment, on a tous kiffé, on a tous passé un bon moment. Merci aux deux participants.